Bah bonjour à tous mes petits Bézigotos, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bézigotos c'est le nom de bah, tous les Bézigotos. Ah merde. Bézigotos c'est le nom de tous les Bézigos qui me suivent quoi. Ah, tu voilà. Peux pas la refaire parce que du coup. Quoi? On fait là depuis le début. Tu veux que je la refasse? Ouais, parce que du coup, comme t'as bégayé. Je ne suis pas tout seul pour ce vlog, je vais être accompagné d'une équipe. Une équipe de bras cassés, une équipe de débiles. Et vous allez voir un petit peu tout ça parce qu'en ce moment, on est sur le tournage d'une émission culinaire humoristique, je précise. Avec un humoriste qui est en train de tout péter en ce moment, notre ami Rodrigue. Et la personne qui tient la caméra est pour moi la personne la plus drôle au monde avec le plus petit sexe. Présente-toi. Amuse pas. Alors, moi, c'est Manu, hein. je suis le teubé numéro 1 qui va tenir cette caméra. L'idée, c'est alors certainement pas de trouver un vaccin parce qu'on va être loin de là et je pense pas qu'on ait tous les prix Nobel rassemblés ce soir. Mais on va tout faire cette semaine pour faire un truc assez qualitatif, une vidéo qui passe quoi. Un petit contenu divertissant. Et un petit contenu divertissant. On fait ça comme ça. Quoi? Ajaccio. Comment tu dis? Ajaccio. Dis-le en Corse. Ajaccio. Dis-le, dis Ajaccio avec l'accent corse. Ajaccio. Non, je l'ai pas. je t'avoue, je sais pas le faire. Dis-le, en Corse c'est Ajaccio. Ajaccio. Oh. 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 Il y a eu un truc, vas-y refais. Ajaccio. Là tu l'as bien dit. Bon allez, bisous les copains, il y a Manu qui va me sucer là, on va devoir couper la cam. Ah ouais? Ah bah attends, je vais couper la cam. Je fais quoi d'abord? Je coupe la cam ou... Yo, yo, yo. Oh putain. Frère, fais pas ça. Wow. Ça conduit là, tu peux pas être sur la route et dormir. Ouais mais frérot, regarde. Je viens de mettre le siège maçon version dynamique. Ouais. Et regarde, tu peux voir ici, en fait là j'ai en ce moment deux boules qui font ça. Mais bon, là je vais mettre en mode relaxant pour mes lombaires. Ah ok. Ouais. Tu veux le siège chauffant ou pas? Tu peux, ouais, tu peux, on peut tester, ouais, ouais. Bah vas-y, je te mets le siège chauffant. Aide à la conduite, parce que si tu veux, il peut conduire tout seul, tu vois. Distance de suivi, tout simplement. Bah là, je touche plus rien, en fait. Tu m'entends plus parler parce que le siège, il chauffe à balle, là. Tu sais, c'est horrible, hein. Parce que les gens vont croire que je suis comme ça, alors que je suis pas du tout comme ça, tu vois. Moi, je suis vraiment pas dans... Toi, t'es célibataire, toi. Hein? Toi, t'es célibataire, toi. Toi, t'es là, t'es... Ah c'est vrai, je suis célibataire. Ah, t'es célibataire, puis t'as une mentalité de célibataire. C'est vrai, exactement. Ton genre de célibataire quoi. T'es carrément ce gars. Je suis carrément ce gars. Hey, je suis carrément ce gars en fait. Je suis carrément ce gars. J'ai le siège, il chauffe beaucoup trop. Comment on enlève cette merde? Allez, je vous mets des petites images de Ajaccio parce qu'on est en train d'arriver et je vais laisser Manu, notre ami Manu, chanter un chant de polyphonie corse pour rendre un peu le truc un peu plus épique. Okay. Voilà. Ouais, c'est dans les bacs là, j'ai enregistré ça, j'ai composé ça ce matin à 8h et à 8h15 j'avais fini, j'ai pas eu le temps de relire, mais je pense qu'il y a moyen de faire un succès là-dessus. Bon allez, on arrive vraiment à Ajaccio, je vous mets une vraie chanson avec d'autres images. T'as pas dit. Si, regarde, il fait tout seul. Non, c'est une dinguerie. C'est juste un... Non, par contre, c'est abusé. J'ai jamais vu ça de ma vie. Oh, t'imagines toutes les femmes qui vont être bien avec ça. Quoi? Regardez comme il est beau. Putain, les gars, j'aurais dû être mannequin, je savais. Puis ma mère me l'a toujours dit, t'es beau comme un prince, va faire du mannequinat. Chier. Qu'est-ce que je fais là? Je t'accompagne dans une caisse de merde. C'est une fausse voiture, c'est une fausse Clio 2. Tu vends ça comme une, je sais pas quoi, Alpine de... Bah excuse-moi, je vends pas ça comme une Alpine. C'est une Alpine, c'est écrit là. On va chercher Jaco. Viens à l'aéroport, on fait style, ça fait 30 ans qu'on l'a pas vu. Quand il arrive, on lui saute dans les bras et tout. Viens, on fait ça. C'est dingue. Ah, ça fait tellement longtemps. Ça fait deux jours. C'est énorme. Depuis vendredi, comment tu vas? Putain, tu es beau comme un cœur. C'est ça, on fait ça. Moi, je les dépose là et ensuite, je vais garer la voiture au Place du Diamant. Ça marche, ça marche. Bah, on fait l'amour quand on se voit. Bon, c'est bon, les potes. Super bien arrivé à Ajaccio. Comme vous l'avez vu, j'ai rangé correctement toutes mes affaires. Wow, la coupe de cheveux. Bref, il fait chaud là. Mon petit bureau, mon lit. Mon super beau lit. La petite salle de bain, parce qu'on a chacun sa petite salle de bain et ça, ça fait plaisir. Là, c'est. Come on, man. Come on. No, really? Really? No. Oh, show you drip, man. Show you drip. Okay. Okay, I show you my drip. Allez, ou quoi? Manu. Comment qu'on va, là? Comment ils vont, là? Vas-y, tiens la cam, je show my drip. Ah, ben regarde, il y a Mathias qui vient d'arriver. Oh là là, il est là, il est tout droit du Michigan. Il nous vient tout droit du Michigan. Fuck with your man. C'est le producteur. Dans le corps des cheveux, mes mains. Comment on met? Fuck you! Fuck you! Ok!
Attends, Jaco, j'ai une réelle annonce. J'ai oublié un truc. Là, ça va être un peu le QG. Je ferme parce qu'il y a du bruit. Du coup, comment man, I show my drip. New Balance, des 90-60. Aujourd'hui, on est sur un outfit baptême. Parce que ça rappelle les couleurs du baptême, le blanc. Mais je vais pas en baptême, en jogging quand même, faut pas déconner. Ce serait complètement crazy. Maintenant, ça, le petit pull, voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Attends, quoi, WC broyeur? Sani broyeur? C'est quoi? T'as jamais vu ça de ta vie, hein? Non. Attends, faut tester. C'est dingue. Ça change tout. On essaye de commencer dans 3 heures, là il est 10h10. Ok, allez, vas-y, let's go. Mets là. Non, on va le mettre là, ici. Ouais. Ça, c'est Mathias, fucking cadreur. Il y a Manu à la perche. Il est bof, mais on a que ça. On a que ça sous la main. Putain, de réal. Eux ont la fibre. La c'est mon Jaco. Look my shoe. Fucking shoe. Yeah, comment mais. On attend allez, quoi, on y va? Juste, on fait la scène où Rodrick, tu montes sur Elian et tu lui attrapes tes cheveux. Allez. Une journée de plus encore, les amis, on espère que vous avez apprécié parce qu'on a vu des lieux incroyables en balade. Marc-André. On va le refaire. Ah ouais, et c'est forcément un peu de sourire. Tu... Une journée de plus encore, les amis, on a vu des lieux incroyables en balade. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Et puis, on a été accueillis comme des rois par Marie-Françoise qui nous a présenté toute l'histoire de son domaine. Et pour finir, on a retrouvé notre ami Pierre-François qui nous a encore régalé. Oh, DiCaprio, t'es où? Hein, t'es où? Y'a personne. On en a vu une qui était bien juste avant. Ok. Ça va être intensif aujourd'hui, hyper intensif. On commence par un fromager, donc on va aller le voir avec ses brebis. On va certainement travailler avec lui. Ensuite, on mange là-bas. On va certainement être reçu une fois de plus comme des rois. Et l'après-midi, on voit quelqu'un qui fait du miel. Enfin voilà, c'est un peu... Oh. Ouais. Bon début de journée, on est à Upalmen, une bergerie où on apprend à faire du fromage tout simplement. Donc on se régale, sachant que moi je digère pas du tout le lait, j'ai déjà bu peut-être un demi-litre à moi tout seul de lait de brebis. En tout cas, ça se passe bien, on n'est pas en retard. François, l'intervenant avec qui on est, il est trop sympa. Attends, je me dis, est-ce qu'on poserait pas une question à François parce qu'il a un fusil dans son bureau. Je dirais pas, c'est pourquoi le fusil? Enfin, t'aurais rien à nous dire. Là, tu es obligé de mélanger constamment à chaque fois. Il faut pas que ça accroche. Aujourd'hui, on apprend à faire du fromage, vous avez vu. On a fait du brooch, qui est une spécialité corse. Et là, on est en train de regarder, il y a Doumé qui est en train de saler les fromages. Et c'est ce qui va créer la croûte du fromage et le conserver aussi. Voilà, il y a plein de choses, on apprend plein de choses aujourd'hui. Non, parce que sur le tournage, t'avais rien compris, donc c'est marrant que tu racontes tout comme ça. Parce que sur le tournage, je m'amuse à faire semblant de ne pas comprendre pour poser des questions. Big brain. Donc voilà, les copains. Première matinée qui s'est bien passée. Hein, t'appelles ça bien passé? Un petit peu pris par le temps, mais c'était très cool. Là on va manger, on va voir les bêtes d'abord. On va voir d'abord les bêtes, c'est vrai, on va voir les brebis. Et après on se retrouve direction Appa et Mele. C'est un couple qui fait du miel, hein. C'est un couple qui fait du miel je crois. C'est ça hein. Je crois pas que ce soit un couple, je crois que c'est juste un mec tout seul. Ah ouais, bah, je crois que c'est un couple. Avec son père je crois. Bah qu'on repart avec ça. On rentre à la maison avec le butin. On va passer une superbe journée. Et c'est que la moitié de la journée. Ah. Ma bite. En plus, j'ai eu peur. C'était une vanne parce que c'est impossible, j'ai pas la bite qui sort. Voilà, donc là je suis déguisé en petite princesse de fleurs pour que les abeilles viennent me butiner. Et ce soir je suis la plus belle de toutes les fleurs pour aller danser. C'est moi. Je mérite aussi d'être une fleur parfois. Bon, superbe épisode aujourd'hui les potes sur le miel. On a tourné le début et la fin de l'épisode. Il faut maintenant qu'on tourne nous en train d'aller voir les abeilles. Avec les combinaisons, donc j'ai hâte de voir ça, je vous emmène. Ouais, bon, par contre, les gens qui ont pas de masque, autant on va revenir vers vous. Vous partez en courant? Non, on risque d'avoir des abeilles qui nous tournent autour, donc il faut que vous... Bienvenue dans ce nouveau vlog, les potes. Ouais. Non, let's go, générique. Ça fait chier de dire ça, parce que du coup, je dois refaire un générique. Bon, je viens de m'apercevoir qu'il n'y a pas le son sur le prochain rush, du coup, je vais vous le commenter en voix off. C'est parti, let's go. Bah c'était trop cool les potes, franchement on a vu plein de choses super intéressantes. Genre vraiment super sympa, super cool, pas de trucs à voir quoi.
Aïe. Attends, quoi? Je viens de me faire piquer là ou quoi? Mais attendez, je vous jure les gars, j'ai l'impression que je me suis fait piquer là. Attends, mais ça me fait un peu mal quand même. Les gars, y'a pas quelqu'un qui veut vérifier? Non, mais vite fait. Non, mais ça va, Elian, arrête. Franchement, t'as rien. Tu casses tes couilles pour rien là. Non, mais je vous jure, hein. Je vous jure. Pierre, tu veux pas regarder deux secondes? Attends, fais voir. Fais voir ça. Ah oui, d'accord, effectivement. Pierre, il avait pas cette voix, mais. Vas-y, c'est pour le. Bref, vas-y, on continue. Oh, qu'est-ce qui. Tu pisses pas dans mon. Qu'est-ce qu'il fait? Je fais la pisse là, laisse-moi tranquille faire la pisse. Oh, c'est fou de faire ça. Je me suis fait piquer. J'ai la haine. En fait, on a enlevé la combi et il y en a une qui était coincée dans la pliure là. Je peux pas parce que en fait, je tiens autre chose dans ma main là pour vous montrer, mais au niveau du cou. Et du coup, là, en ce moment, on voit peut-être pas. Tu sais, c'est un peu chiant parce que moi, je suis allergique. Donc, je pense que dans une demi-heure, je suis à l'hôpital. Là, c'est bon là. Je parle d'ici. On recule encore. T'es un peu loin. Non, je suis cadreur, hein, donc je sais. Hein. Et là, on va se préparer à rencontrer Doumé sur le marché qui va nous présenter ce fromage charcuterie. Ensuite, je vais vous emmener au Sanguinaire. C'est magnifique là-bas. On va tourner quelques scènes d'intro à outro d'épisodes. Et voilà, on se régale là. C'est le vlog quoi. Léon, faut que tu viennes goûter le fromage de chibre là qu'ils font. Là. Mais quoi? Le fromage de chibre, hein. Mais il est frais. Hein. Ouais, il est de ce matin. Hein. Arrête. Oh, ouais, c'est Doumé qui le fait. Oh putain. Ah, ouais, non, c'est très bon. Allez, 443 première, Rodrigue, tu nous fais une blague tout de suite là, s'il te plaît, pour l'émission. Allez. Hey, Rodrigue, c'est comique. Et sois drôle, hein. Allez, c'est comique, sois drôle. Non, mais là, c'est pas des fraises, là, c'est des melons, elles sont énormes. Allez, c'était énorme, c'est dans la boîte. C'est hyper bon. Et c'est hyper généreux. Non, du tout. Ils ont déjà l'injection. Bah, moi, je dis ça, mais quand Bastia joue et qu'on gagne, qu'après, on remonte à Bastia avec la victoire. Oui, ça va. Bon, du coup, fin de matinée, ça s'est bien passé. Ouais. On va faire la prochaine, là-bas. Il nous manque la séquence numéro 2, là. Ok, on fait la scène là-bas, ça marche. Bon, vous voyez, hein, ça taffe dur, on essaie vraiment d'avancer au plus vite et de rester concentré. Focus. Voilà quoi. Allez, on se retrouve direction les Sanguinaires. Un petit résumé de cette quatrième journée, mon Manou. Chiante et un peu fatigante, éreintante. Bon, en fait, te voir tout le temps, en fait, c'est marrant, 5 minutes, les 10 premières minutes, t'es content, mais au bout de 2 heures, c'est chiant, c'est trop. Et j'arrive pas à doser ça, et là, on va devoir pendant 3 semaines tous les jours, donc je prends des cachets, je t'avoue. Ok. Ça y est les amis, dernier jour sur la terre ajaxienne. Aujourd'hui on est allé voir Jacques Abatucci qui fait de la superbe viande apparemment. Ben voilà, une des vaches du troupeau qui s'est échappée. C'est le vlog ou quoi? C'est le vlog là. Oh internet, oh. Quoi? Il y a quoi là? Attends, il y a le propriétaire. Tu m'éteins les Twitch là, moi tu me filmes pas comme ça. Okay. Moi tu me filmes pas. Non, mais... Tu arrêtes. Okay. Tu arrêtes maintenant. J'en ai marre de tes conneries. Pas la caméra, monsieur. Je sais pas la caméra. Me touchez pas. Et ensuite les amis, on va boire du vin, on va découvrir le domaine sans t'armer. Là aussi on va se. Apparemment c'est des très bonnes bouteilles. Ouais. On va se régaler. Enfin voilà les potes, j'espère que le vlog vous a plu. N'hésitez pas à mettre la cloche. Je vais essayer de sortir un vlog à peu près tous les 10 jours parce que je suis en tournage pendant 2 mois. Donc je me dis que j'ai du contenu à vous proposer. Donc c'est le moment, tout simplement. N'hésitez pas à suivre aussi sur Twitch, Twitter, Insta. Et on part sur une petite fin en musique de notre journée. Bisous. Yeah, for me like you got some pain in you. Can't go back and forth with no groupie hoes. But these bitches love how you do me though. Had to tell her that dick off limits. I hop on it at night, I'm a menace. Yeah, he get the stroking. Oh, how I love when he choking me. Bitch, I'm a boss, I do what I want. I don't need a nigga controlling me. I look at my wrist, it's an AP watch. I put your nigga in off-white socks. He want a fun bitch, girl, not a thot. I keep it juicy, he coming alive. When he deep inside, I be going insane. Scratching his back, I know he feeling pain. Okay, he asked me out like snow day. Eliante is a cold case. Right on that dick like road rage. I can put on a show.